Jean-Michel, bonjour. Aujourd'hui, c'est le lancement de la marque Beko, une marque anglaise. Pourquoi Beko? Pourquoi avoir choisi Beko? Beko est une marque aujourd'hui pour nous qui sera positionnée et qui viendra complémenter la gamme et la marque de produits que nous représentons aujourd'hui. Beko est mondialement reconnue dans le domaine de l'électroménager, une marque turque qui est numéro 1 en Angleterre. Aujourd'hui, nous allons commercialiser 10 modèles de réfrigérateurs, 4 modèles de machines à laver, 3 modèles de micro-ondes, le climatiseur. Et cette gamme de produits sera appelée à s'élargir dans les semaines à venir. Aujourd'hui, Beko se positionne très bien en termes de prix. Et tous les produits sont disponibles chez tous nos revendeurs, qui comprend actuellement plus de 70 points de vente. Et Beko aura aussi une année de garantie. Quelles sont un peu les particularités des produits Beko? Beko a principalement, tous ses produits ont un High Energy Efficiency Rating. Beko est très innovant par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement. Les modèles de réfrigérateurs, de machines à laver sont très innovants, mais aussi se positionnent très bien en termes de prix. On parle beaucoup d'efficacité énergétique, qu'on appelle le AA+. Est-ce que ce sont des produits éco-friendly et pas consommateurs d'énergie? Ils sont éco-friendly et ils respectent toutes les normes internationales, mais aussi tous les energy ratings les plus efficaces possibles. Est-ce que ce sont des produits tropicalisés? Parce qu'il y a des soucis à l'île Maurice, c'est les salins. Ils sont des produits tropicalisés. Tous ces éléments ont été pris en considération avant l'importation de n'importe quel produit. Et au niveau de la qualité-prix? Qualité-prix, aujourd'hui, Beko se positionne très bien. Elle sera, à non dire, moins chère que les marques leaders de l'électroménager aujourd'hui. Et au niveau du prix, c'est un prix qui est à la portée de tout le monde, de toutes les bourses? Aujourd'hui, Beko se positionne d'une façon où tous les produits, il y a plusieurs, une grande variété de produits pour toutes les bourses. Mais quel est le marché? Un marché local ou un marché un peu plus spécialisé qu'on appelle le marché des IRL, des REL? Ce sera tous les marchés. Aujourd'hui, Beko a un positionnement où il pourra avoir bien sûr une clientèle un peu moins aisée, mais aussi une clientèle qui a les moyens de se payer des produits plus premium.